Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Une fois de plus, devant vous, votre homme serviteur que je suis, DJ Ramsey, le Daïré. Aujourd'hui, on reçoit, bon, autant pour moi, il nous reçoit un jeune homme qui fait la musique selon lui. Il ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit. Il fait la musique comme il la sent. Et aujourd'hui, il a du succès. Il est beaucoup aimé et tout. Aujourd'hui, on vient chez nous pour lui poser des questions parce qu'il a un comportement un peu douteux ces temps-ci là. Donc, il est là même d'ailleurs. On va le croiser comme ça. Tu connais l'affaire, tu connais le Fafa. Oui, l'émission où vous piégez les gens façon. Non, c'est pas les pièges, tu connais, c'est les vraies questions. Maintenant, même tu es un peu bizarre dans ces temps-ci là. Donc, on va commencer l'émission. Un bras, bras. Ok. Alors, ou bien on fait ci, ou on fait là-bas, on fait où? Ah, ici là, c'est très choco, façon plage, façon nager, façon là. Là, on peut dans un petit salon. Ok, c'est cool. Ce qui veut dire que ça va chauffer aujourd'hui parce que le Fafa, ça sera un truc direct. Mesdames et messieurs, nous sommes revenus, nous sommes de retour. Voilà, c'est de lui qu'il s'agit. Il s'agit de DJ Moasco. DJ Moasco, étoile montante, étoile vraiment pertinente du coupé décalé ici en Côte d'Ivoire. Voilà, Moasco, je te ressalue encore. Salut, moi, Ramzi. Merci de recevoir Ramzi et toute l'équipe du Fafa. C'est un plaisir pour moi. Vraiment, ça fait plaisir de voir toute l'équipe de voir TV Musique. Vraiment, ça fait plaisir. Super, super. Alors, on va aller en même temps, on va aller de plein pied dans le sujet. Moi, j'aimerais que tu te présentes. Présente-toi aux téléspectateurs, aux personnes qui te regardent. Alias DJ Moasco, d'abord à l'état civil, Mohamed Sako. Mohamed Sako, on pas trop hanté dans le but du sujet. Moi, qui est Mohamed, et Sko Sako. Là, on s'appelle Mohamed Sako, Moas, dans le Mohamed, et le Sko, qui est le Moasco. Là, on s'appelle Moasco. Mohamed, dans le Moi, Sko et Sako. Ça s'appelle Mohamed Sako. Super. Moasco DJ, donc voilà. Alors Moasco, comment est-ce que tu es arrivé dans le mouvement du showbiz? Comment est-ce que tu es arrivé? Voilà, mollo, comme tous les jeunes du mouvement. Voilà, moi personnellement, je suis venu spécialement. J'allais à l'école comme un enfant qui est très normal. Petit à petit, le mouvement coupé décalé est venu. D'accord. On a aimé le mouvement. D'accord. On est entré dans les mouvements, l'animal dans les petits maquis, à Yopougon. Voilà, petit à petit jusqu'à aujourd'hui, voilà, je suis Moasco, donc voilà. D'accord. Et tu as commencé en tant que DJ, c'est ça? En tant que DJ, au Genix, à côté du Prestige. Après, je suis venu au Prestige, au Toit Rouge. Carrefour, Sapé Pompier. Après, je suis allé au Texas, qui était l'ex Laurent Garros. Un peu après, je suis venu au New Ice, l'une des plus grandes boîtes de nuit en Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Voilà, super, super. Alors, Moasco, bon, tu étais DJ et tout ça, mais comment est-ce que le virus de la musique voilà, t'a piqué pour qu'un matin tu te dises, bon, moi, Moasco, voilà, je vais faire de la musique. Ok, voilà, petit à petit, on allait à l'école. Et puis le mouvement coupé de Kenny est venu. On a vu un peu nos grands frères, les Shigal, Mokondi, les Arafat, Yaki Djevara, tout et tout en train de faire le mouvement. Et puis un peu, on s'est dit que voilà, ça c'est un bon mouvement. On a commencé à se mettre à l'intérieur, se mettre dedans. Petit à petit, c'est-à-dire, on baillait les coups, on fait un peu de la talakou dans des discothèques et puis un peu. Donc moi, ce que faisait l'école buissonnière, c'est-à-dire que tu ne partais pas à l'école à cause de la musique. Mais si c'est la musique qui m'a détourné, donc je peux dire que c'est l'école buissonnière. Voilà, donc c'est ça. C'est ainsi que voilà, mon nom Mohamed Sako. Tu l'as transformé. Je l'ai transformé en Moasco, c'est-à-dire Mohamed dans le Mohamed, Moas, et le Sko dans le Sako. Ça fait Moasco. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, Moasco, on a l'impression ces temps-ci que Moasco a perdu un peu de la cote. C'est-à-dire que Moasco était quelqu'un de très, très, très,
très en vogue à un moment, on parlait beaucoup de toi et tout. Mais tu étais impoli, c'est ça? Non, moi je ne parle pas d'impoli, j'ai dit que tu avais la côte et en tout. En fait, les Ivoiriens, quand tu fais trop de buzz, tu tapes ici, par-ci, par-là, tu fais des clashs, on dit que non, tu es en vogue, c'est ça? Si on veut le dire. Parce que moi je suis amoureux du bruit, c'est ça? Voilà. Mais pourquoi est-ce que tu fais plus de bruit? Seulement que je veux donner une vraie direction à ma carrière, tu vois. Je vais me calmer, faire des bons trucs, faire quelque chose de rentable, quelque chose qui va m'enrichir. Donc, je suis pas là à parler dans le billard comme certains, à dire ouais, c'est moi le tatatat au fond, ils n'ont rien, ils sont rien, tu vois. Donc tu reconnais que. Tu reconnais que tu parlais dans le billard avant. Tu reconnais que tu faisais un peu trop de bruit avant. Pas que je faisais du bruit, mais je disais certaines vérités. D'accord. Voilà. D'accord. Ils clashaient pour certaines choses que tout le monde voyait dans le coupé décalé. Mm-hmm. Et puis ils ont compris cela. Donc voilà. D'accord. Je crois que cette période-là s'est passée. Mm-hmm. Actuellement, c'est le business, tu vois. Mm-hmm. Je n'ai rien à dire, je me tais. Mm-hmm. Voilà. Quelque chose à dire de sérieux, je parle, tu vois. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Donc tu veux dire que tu n'as pas perdu la côte, mais sauf que tu es dans ton coin. C'est ça, c'est ce que tu veux dire. Tranquillement, quoi, voilà. Ah, d'accord. C'est tranquille. Alors, Moscou, tu dis maintenant que voilà, tu fais plus de clash, tu es dans ton coin et tout ça. Est-ce que c'est parce que tu as compris que tu n'es pas de taille à rivaliser? Parce que c'est quand on sent que, parce que tu as eu des clashs, ceux avec lesquels tu as eu des clashs, on va parler de ça après, tu vois. Je vais te poser les questions là-dessus. Mais si Moscou a décidé de se calmer, est-ce parce que Moscou s'est cassé la figure, Moscou a compris qu'il ne peut pas tenir avec quelqu'un? Donc maintenant, il peut rester dans son coin et chanter doucement, doucement. Dans le coupé de télé, il fait les meilleurs clashs. En tout cas, c'est vrai que les gens ont fait des clashs avant moi. Et après moi, mais moi personnellement, j'ai fait les meilleurs clashs parce que j'ai clashé tout le monde dans le coupé de télé. Tu comprends? Donc, je suis décidé de me calmer. C'est pour donner une bonne direction à ma carrière. C'est pas par faiblesse, par hasard? La preuve en est que je n'ai peur de personne. Donc, moi, je peux clasher qui je veux. Tu vois? Parce que même si on me clash en retour, ça me fait du buzz. Si on ne me clash pas, je gagne du buzz, tu vois. Donc moi, j'ai décidé de rester comme ça, tranquille. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Ok, voilà qui est bien clair. Alors, Moscou, on avait aussi l'impression que voilà, tu suivais le mouvement. Genre, que tu voulais... Voilà, on a peu l'impression que... Tu suis, tu veux faire comme tout le monde, tu vois. Voilà, tu as fait un son. Comme qui? Non, mais quand je dis comme tout le monde, je veux dire comme les gens, comme les faisaient de couper décalé. Aujourd'hui, les faisaient de couper décalé, c'est juste les lovers. Ils font des sons posés. Il y en a qui chantent Épouse-moi. Il y en a qui chantent les petits sons posés. Toi aussi, tu es venu avec un petit son aussi posé. Ton identité est où dans ça? Ton identité est où? Juste montrer que je suis polyvalent, que je peux faire de la trap musique, que je peux faire de la world music, que je peux faire tout ce qui est style de musique. Mais si je, voilà, je reste Moscou, je dois être Moscou, je dois mes dates pour découper les carrés, c'est ce qui est le plus important pour moi actuellement. C'est-à-dire que quand j'ai fait cela, c'était juste montrer aux gens que je peux faire cela, tu vois. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Donc, ça n'est le talent, il est inné, on peut tout faire. On peut faire des dancehall, on peut faire des zouks, tout et tout. Mm-hmm. Voilà, si on reste coupé décalé, c'est parce qu'on veut faire avancer le coupé décalé. Mm-hmm. Et c'est notre musique de base, tu vois. D'accord. Alors, Moscou, revenons au clash, parce que voilà, c'est quelque chose dont je voudrais sincèrement qu'on parle. Tu étais en clash avec Doliziana, de Bordeaux Doliziana. Voilà. Ça a commencé comment? Comment est-ce que ça a commencé? D'un coup comme ça, on a senti que vous étiez en clash. Qui a provoqué qui? Mais là, j'ai sorti un morceau Rébellion qui a un peu dérangé tout le coupé décalé, où j'ai dénoncé un peu pourquoi le coupé décalé n'avance pas, parce que certaines personnes sont orgueilleuses et tout. Voilà. Donc, il a répondu, automatiquement j'ai riposté, ça a créé ce que ça devait créer, tu vois. Donc, ensuite de cela, voilà, le clash est passé. C'est passé, donc... Mais attends, Moscou, tu as chanté quelque chose, le gars, il t'a répondu, tu as répliqué. Mais nous, on a vu que c'est parti, nous, on a pensé que le clash allait rester dans le cadre de la musique. Mais vous êtes venu aux mains dans les boîtes de nuit, c'est devenu la bagarre dans le coin, bon, je sais pas, c'est dû à quoi. Souvent, les clashs, souvent, il y a un goût en bas. Dès qu'il y a un goût en bas, vous ne voulez pas dire la vérité.
Go, c'est quoi? Moi, Kayevara, l'idée Kayevara. Bolisiana, bon, c'est un grand frère d'abord à la base, moi. Mais dans ton cas, toi, tu fais clash avec ton grand frère. Ça dépend, tu sais, dans la vie, quand ton grand frère te respecte, en retour, tu lui dois du respect, tu vois. Voilà, c'est comme ça en Afrique, pas plus dans les mondes. Quand ton grand frère te donne du respect, tu lui dois du respect. Et quand il te donne de l'impolitesse en retour, ça dépend de toi, de ton éducation, de comment tu réagis. Mais bon, voilà, raison pour laquelle j'ai réagi ainsi, tu vois. Voilà. D'accord. Donc tu as répliqué automatiquement. Automatiquement, j'ai répliqué, puis voilà, ça a donné ce que ça devait donner, et puis tranquille. Mais pourquoi? Parce que c'est devenu trop violent, comme si deux gars qui cherchent la même go. Parce qu'on nous a dit que c'est une go qui est derrière. Que c'est pas histoire de chanson que tu as chanté. C'est vrai, mais c'est faux. Ce qui vous a dit que c'est une go, c'est très fric. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas ma musique pour une femme. Ou pour. D'accord. Pour plaire à quelqu'un. Moi, quand je fais ma musique, c'est pour plaire d'abord à moi-même. Et me faire plaisir. Être digne. Être une personne qui a de la dignité. Et puis voilà, tranquille. Et puis, exprimer ce que j'ai envie de exprimer. Tranquille. Voilà. D'accord. Donc les histoires des go, moi je suis pas dedans. Tu fonds ma go, tu la prends, tu la mougou, c'est ton problème, tu vois. Et puis on avance, c'est de couper, décaler, tranquille. D'accord. Donc ça veut dire que entre toi et Dolizana, c'est fini, c'est la paix, il n'y a plus de là, ou bien bon, vous êtes toujours en froid, mais il n'y a plus de cette animosité, quoi. Il n'y a pas de problème. Bientôt peut-être qu'on va faire un featuring, s'il se peut. Voilà, c'est le couplet de Calais qui demande, si ça demande, celui-là on va faire. D'accord. Donc moi je n'ai pas de problème avec Dolizana, tranquille. D'accord. Alors mais moi je ne comprends pas un truc. Hein. Je ne sais pas si c'est la jalousie qui t'anime, si c'est les grains qui t'animent, je ne sais pas quoi. Mais Ariel Chené, il t'a fait quoi? Qu'est-ce que Ariel Chené a bien vu te faire pour que, je ne sais pas, mais tu as fait des clashs avec lui, aujourd'hui vous ne vous entendez pas, tu es prêt à le descendre à tout prix. Qu'est-ce qu'Ariel Chené t'a fait? Le descend pourquoi? Je suis pas Dieu moi. Tu sais, Dieu, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui descend. Ariel Chené, c'est quelqu'un que je connais bien. On a fait l'enfance ensemble. On a fréquenté la même école ensemble. Vous allez d'accord avec Guevara, si vous ne connaissez pas. Lui et moi, c'est quelqu'un, on se connaît très bien. D'abord, quand il était petit, il a commencé à arranger ses histoires, les arrangements. Et puis aujourd'hui, Yorobo le prend pour dire tiens mon arrangeur, puis il est cette cote qu'il a aujourd'hui. On était d'abord chez Kedjivara, tu vois. Lui et moi, on mangeait ensemble, on se livrait ensemble, on bougeait ensemble, on faisait tout ensemble, tu vois. Et petit à petit, un matin, on l'a plus vu, il est allé dans sa Yorogang. Bah, que je déteste la Yorogang. La Yorogang, c'est aujourd'hui, c'est un soutien pour moi parce que les gars m'adorent. Dans mon Facebook partout, ouais. Moi ce qu'on soutient en ensemble, c'est la famille, tu vois. Et moi ce que tu réponds pas à ma question. Bah c'est petit à petit, je vais petit okay, à petit. Donc, tu vois. Donc Ariel Chené et moi, j'ai rien sincèrement du fond du cœur devant Dieu. S'il y a quelque chose contre Ariel Chené, que Dieu me punisse, tu vois. J'ai rien contre Ariel Chené. Voilà. Seulement qu'à un moment donné, il a essayé de m'attaquer. Essayer de. Voilà, parce en que. En 3 ans, mais en quoi 10 ans. Je me suis prononcé en tant que président des artistes de la nouvelle génération. En tant que, voilà, c'est moi le président, tout le monde, voilà. En tant qu'il est, il fait partie de la nouvelle génération. Quand Yoro s'est battu pour lui donner son trophée, son premier trophée, il a commencé à rentrer en clash. Moi. Comment ça, Yoro s'est battu pour lui? C'est Yoro qui donne les trophées, c'est pas Yoro qui donne les trophées. Mais sans Yoro, lui, il sait qu'il ne va pas prendre trophée devant moi. C'est. Yoro, c'est une icône. C'est de la musique, il faut reconnaître. C'est comme Kedjivara, c'est comme Serge Benoît aujourd'hui. Donc, c'est une icône, tu vois. Voilà. Il non, a déjà une force. C'est Yoro, ils ont regardé pour lui donner les trophées. Je ne dis pas que c'est Yoro. Je ne dis pas que forcément c'est Yoro. C'est un artiste très talentueux que je connais. Il est talentueux. Si je dis pas qu'il est talentueux, c'est comme si je suis un lâche, parce que moi je dis la vérité, tu vois. Je dis la vérité parce que c'est un jeune ici-bas pour faire avancer sa musique. Voilà, c'est. Là, je me suis auto-proclamé président de la nouvelle génération. Il n'a pas fait de scandale. Jusque, voilà, on lui a donné son premier trophée, il a commencé à séjourner dans les
à essayer de monter. Voilà, et désormais, c'est moi qui fais les vidéos, les autres me frustrent, tu vois. Automatiquement. Mais est-ce qu'il a dit ton nom dans cette vidéo? Il n'a pas dit mon nom. Moi, il est rentré en conflit avec moi. Quand il dit président, quand toi qui dis président, qui a dit président des artistes de la nouvelle génération? C'est moi, Sko. Du fait qu'il dit, il n'y a pas fait de président, c'est moi, je suis le gouverneur, c'est moi et j'ai. Tu vois un peu, non? Donc, automatiquement, il m'attaque. Mais ce n'est pas directement, indirectement, il m'attaque. Moi, si il a attaqué indirectement, ben c'est indirectement. Il va penser que c'est parce qu'il a fait du buzz. Donc, il attaque indirectement et ça a fait du buzz, tu vois. Ça fait du buzz, on dit moi ce qu'on a réchaîné son discours. J'ai rien contre lui. C'est un jeune, il fait sa musique. Je l'adore, j'écoute ses sons dans ma voiture, tout et tout. Sincèrement, j'ai rien contre Ariel Chenet, tu vois. Voilà. Donc quand tu parles d'Ariel Chenet, ça. C'est comme oui, si. Oui, parce que moi je suis un papato. Moi, j'ai un affairé. Parce qu'il y a des traces. Tout ce qu'on fait, ça laisse des traces. Et les traces que moi j'ai vues là, c'est les traces de votre clash. Vous deux, vous étiez en clash. Jusqu'à tu allais me dire même que dans une de tes chansons, que ouais, si toi tu ne moyens pas quelqu'un. Bon, quand on dit moyen pas quelqu'un en Côte d'Ivoire, ça veut dire que si tu n'as pas la force pour le frapper, tu vas mordre cette personne. Donc toi, tu es devenu. Mais ça, c'était avant Ariel Chenet. Ça, c'était avant Ariel Chenet. Quand il était moyen pas, il était mort. Ça, c'était avec Dolizia. Là, c'est même pas avec Ariel Chenet. Donc, il faut faire une mise à jour de tes. Tu fais une mise à jour de. Comment dirais-je. Des informations. Des infos, ouais. Des infos. Tu fais une mise à jour. Tu veux dire que moi, je ne suis pas à jour, quoi, ce que tu as dit. Non, mais tu voudrais bien, c'est les vieux discours qui sont. Mais écoutez, monsieur, vous faites les discours, on remet tous les discours. C'est la nouvelle génération, c'est les clashs, c'est les conneries, ils sont là, ils font les bêtises. Voilà pourquoi je suis resté dans mon coin. Tu me demandes pourquoi moi, ce que tu es dans ton coin, je ne vais pas me mélanger, tu vois. Voilà, je reste tranquille dans mon coin. Mais alors, moi, ce que. Je sens que la bédelle est en train de pousser, le petit ventre en train de sortir. On dit que maintenant tu as adossé, tu as assis en bosse, c'est que ça va, l'argent est là ou bien? Tranquillement, ben, je ne sais pas dire que ça va, et l'argent ou que quoi que ce soit, ben, je vis tranquille ma vie. C'est pas où. Du choc maintenant, tout c'est ça. Pas qu'il y ait du choc, mais ben, il faut qu'il s'exprime bien devant les femmes pour ne pas qu'on dise que voilà, les faiseurs du coupé sont des illettrés, tout le temps, tu vois. Voilà, moi je peux m'exprimer en Boussia. Ouais, tu vois un peu non? Bon, bien, mon roi. Si tu veux qu'on va parler, nous, si on parle, nous, si. Il n'y a pas de drame. Non, 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 ton style c'est bon, on peut y aller. Hein. Voilà. On peut y aller. Oui, mais mon nom, mon lettre, tu vas venir à moi ce que les quoi. Donc, moi, je suis dans ta gamme. Maintenant, si tu chiens les gammes, on est dans la gamme. On est dedans, ouais. On est dedans. Alors, moi, ce que tu as fait dans le temps futur avec Serge Benoît. Serge Benoît t'a soutenu si on était son et tout ça. Qu'en est-il de votre relation? Ouais, vieux père qui est bien, gentil, j'ai sollicité son je l'ai sollicité pour un feat. Il m'a pas dit non, il m'a même pas dit non, il a dit pas de soucis. Comme beaucoup de vieux pères qui ne veulent pas le faire parce qu'ils se disent que quand tu donnes de la corde, tu avances. Tu veux parler de qui comme ça? Je fais mon analyse, ok? Mais tu dis. Donc, comme c'était vieux père qu'on a contacté, qui ne sont pas venus en soutien. D'accord. Tu vois? Donc, j'ai contacté qui n'est pas venu en soutien. Beaucoup de vieux pères dans le coupé de Calais. On les a contactés. Vieux père, il fait fitter toi, pardon. Tu sais, tu es un vieux. Mais est-ce que c'est pas à cause de l'attitude que tu as? Parce qu'avant, on dit que tu étais impoli, tu clashais tout le monde. Il était impoli. C'est pas pour ça. Serge Benoît, c'est quelqu'un qui est impoli. C'est comme si tu me dis Serge Benoît, il est impoli. Il a fait fitter moi, pas parce qu'il est impoli. Tu sais qu'il est poli. Ouais, il est poli. Donc, ouais. Il a accepté de faire un fit avec moi parce que il veut pousser la nouvelle génération. Il l'a fait avec le cœur. Dieu merci, ça a marché avec le cœur. Ma plus qu'original, tout le monde a dansé, tout le monde danse actuellement. Et puis, tout le monde dansera. Ce n'est pas le son des artistes des balles où on dit un jour, deux jours, qu'on joue dans les maquis, les bas de nuit, on ne danse plus. C'est le son de. Donc, moi, ce qu'on fait des sons qui durent, c'est ça? Des hits. C'est ça, la peine. Quand on dit hits, là, c'est pas des gens à jouer dans le bonheur. Non. Quand on dit hits, on joue. 10 ans après, quand tu sens le son de double saga, ou même tout le son de des AXXL, ou bien tu écoutes, tu coupes, même depuis les tubes, tu reviens en arrière et tu dis, ah, ce son-là, ça m'a fait voyager. Et jusqu'à présent, Mapuka original, ça voyage. Donc, je ne peux pas me parler mal de Serge Benoît.
Il ne m'a rien demandé, même un rond, même cinq fois, il ne m'a pas demandé. Si je peux parler bien de lui, je vais profiter aujourd'hui de l'occasion de Ivoire TV pour bien parler de lui. Et puis voilà, demain, il va dire, petit là, il est reconnaissant. Il m'est béni. Parce qu'il m'a béni. Il ne m'a pas demandé cinq ronds, tu vois. D'accord. Voilà. D'accord, moi, ce que... La preuve, j'ai contacté beaucoup de personnes pour faire des feats. Ils n'ont pas fait comme ça. Je vais, non. Voilà. Alors, Masco, voilà, tu es en collaboration actuellement, bon, tu es dans le label de Kedje Vara, le caporal chef Zouran Pouyo. Aujourd'hui, tu as 18 avril production. Voilà, comment est-ce que la rencontre s'est faite? Comment est-ce que vous avez commencé à travailler? C'est pas maintenant, c'est longtemps. Ça date depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui, on dit Masco, 18 avril, Kedje Vara. Tu vois? Kedje Vara, c'est quelqu'un qui nous a accueillis depuis petit. Moi, j'ai animé dans la boîte de Kedje Vara. Pour tous ceux qui ne savent pas, il avait un jeune bar au temps de Tchoukou Tchoukou. Quand il a fini les battues, il a fait une boîte, un petit bar, pas boîte de nuit autant pour moi, un petit bar où il venait se divertir, il invitait ses amis. Et c'est là-bas que moi, je t'ai dit. D'accord. Voilà. C'est là-bas que, voilà, petit à petit, 18 avril a été construit. Et un peu, moi, ce que s'est détaché le 18 avril. D'accord. Je me suis dit. Parce qu'à l'époque, tu étais avec le gros Bédel, c'est avec le gros Bédel qui était ton producteur. Ouais, gros Bédel, parce que j'animais au New Ice. New Ice, c'était la plus donc grande. Donc, toi, quand tu animes dans le bois de nuit de quelqu'un, automatiquement, tu te fais produire par la personne. Non, non, non. J'ai fait un petit concert parce que j'étais dans la bois de nuit, New Ice. Le son a pris rapidement. Le gros Bédel, il a aimé le mouvement. Voilà, il a produit des morceaux parce que c'était un mouvement de moment, tu vois. Voilà, c'était un mouvement de moment, c'est ce que je constate, parce que si c'était quelque chose de sérieux aujourd'hui, on voit Force One partout, on dirait que voilà, moi ce que donc, produit tu veux dire quoi, que Bédel t'a produit avec tout le sérieux, quoi, c'est ce que tu veux dire. Il m'a produit, il te regarde, hein, sur un single. Ouais, sur un single. Devant tout le monde, Bédel m'a produit sur un single qui a tâtonné dans le temps. Maintenant, pourquoi la collaboration n'a pas continué? Peut-être qu'il n'a pas eu confiance en mon talent, ou peut-être qu'il n'a pas eu confiance en moi. Mais je ne peux pas gâter son nom parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup rendu du service, tu vois. Voilà. Tu vas pas me pousser à l'erreur, tu vois. Non, mais moi, je te pose des questions. Voilà. Ah, tu dis que c'était un mouvement. Bédel m'a beaucoup soutenu, il m'a poussé, ou il devait m'envoyer, tu vois. Et j'ai continué. Dès qu'un enfant, tu le mets au monde, tu lui donnes la tétée. Et un peu, peut-être qu'il va chercher les cousins, les oncles, tes frères. Et on l'élève un peu, il devient ce qu'il doit être. Il ne va jamais oublier l'identité de ses parents, tu vois. Voilà. C'est ce que Bédel a fait pour nous. Il m'a aidé, il m'a poussé. Voilà. D'accord. Il t'a aidé, il t'a poussé. Mais moi, la question que je t'ai posée, c'est quoi? Donc toi, quand tu es dans un coin, tu te fais produire par le responsable du coin. Et tu as dit que c'était un du avant de connaître Bédel, j'étais avec Kedje Vara, tu vois. Je suis avec Kedje Vara, ça ne m'a pas permis de me faire produire par Bédel, tu vois. J'étais avec Kedje Vara, pas sous production. En tant que son bon petit d'abord, et puis son DJ de boîte de nuit, tu vois. Un peu, si tu veux, je suis arrivé au New Ice, j'ai envoyé un concept qui a pris le payaï, tout le monde a dansé, ouais, koraco, payaï, tout le monde a connu ça. Un peu, et aujourd'hui, je reste moi, ce que je continue ma carrière, et je me remets avec 18 avril, d'accord, continuer ma carrière, tu d'accord vois. Donc maintenant, qu'en est-il maintenant de 18 avril, c'est comment là-bas? Avec 18 avril, vous ne savez pas, c'est pas quelque chose qui date de maintenant. Non, ça tu l'as déjà dit. Voilà. Mais je dis maintenant, ça se passe comment? Du 8 avril, on va moulo. Chaque chose à son étape. On va petit à petit. Et on essaie de donner du mieux aux femmes, tu vois. Voilà. Kivara, c'est un artiste confirmé, il passe sur toutes les grandes chaînes, tu vois. C'est pas qu'il ne peut pas pousser, il ne peut pas mettre des millions dans Moscou, tu vois. Il le fait déjà avec. Quand il peut, il le fait. Voilà, il le fait avec le cœur.
Mais moi j'ai l'impression que tu veux voiler les choses. Parce que. Pas que parce je vois les choses. Parce que le truc c'est quoi? C'est que j'ai l'impression qu'à 18 avril, il y a un artiste préféré qui est MC One, tu vois. Alors que beaucoup d'hommes savent que toi, tu as commencé à chanter avant MC One. MC One, c'est mon bon petit, c'est mon fils. Oui. Mais aujourd'hui, MC One est mis plus en avant par rapport à vous autres. Voilà. MC One est mis en avant parce que ça dépend de son style. Tu vois, il est dans du rap, c'est normal qu'on le pousse. Il n'est même pas concurrent à moi. Tu vois. Je n'en discute même pas, mais je dis. Moi, je ne suis pas du rap, moi. Oui, mais moi, je te repose la question, Moasco. Tu es avec MC One et il y a qui encore le Zoubouman. Comment il s'appelle? Elvis, Inspiration Divine, qui a du Moi, je ne suis pas Zoubouman. Non. J'ai je dit. Coupé décalé. Voilà, donc toi, tu es coupé décalé. Il y a un rappeur, il y a un Zoubou. Voilà. Maintenant, le rappeur, ça dépend des projets avant. Il a ses projets. D'accord. Le producteur a ses projets. D'accord. Il sait ce qu'il fait. Tu comprends? Mm-hmm. Il sait ce qu'il fait. Il gère. Qui dit voilà, c'est ce qu'il fait. D'accord. MC One, c'est pour les rappeurs. Il le pousse pour les rappeurs. Mais Zoubouman, il le pousse pour les Zoubouman. Mm-hmm. Et le coupé des Kaleman, le coupe pour le coupe. Plus que lui-même, c'est un coupé des Kaleman. Mm-hmm. Même si je mousse, on dit quoi? Je suis le petit de Kelly Vara. Mm-hmm. Donc, ça n'a rien à voir avec lui et moi. C'est-à-dire, même si moi, ce que je mousse, ça n'a rien à voir avec. Je suis dans l'écurie du 18 avril, tu vois. Bien sûr. 18 avril, il reste 18 avril. Et on avance. Kelly Vara, ce qu'il peut faire pour moi, moi, je me contacte de ça. En plus de cela, mon chien travaille. Donc, ça veut dire que tu es conscient que il peut pas. Tu es conscient que pour l'instant, il préfère lancer plus MC One que toi. Donc, tu te contentes de ça. Ça n'a rien à voir avec MC One. MC One, c'est mon petit frère. Même comment je peux le lancer, je le lance. Quand je peux. Oui, j'étais même vu souvent en boîte de nuit le soutenir dans ses mouvements et tout ça. Quand je peux lancer MC One, je le lance. Mais pourquoi Moasco n'est pas mis en avant comme MC One est mis en avant, comme si MC One est le préféré de Kedjevara? MC One est le préféré de Kedjevara. C'est parce que c'est le préféré de Kedjevara, tu vois. Mm-hmm. MC One, c'est son bon petit, c'est son enfant, c'est quelqu'un qui m'a connu dans la rue. Mm-hmm. Avant moi, tu vois. Avant toi? Avant moi, je fais ma musique. C'est vrai que je suis son bon petit, mais moi, je suis allé avec les Clash, les Wiyo, en attendant que je revienne. Pas que je t'ai obligé de revenir, je suis revenu, tu vois. D'accord. Juste avant, il a connu MC One, il a transformé les prêtres. Clair. Parce que tu m'as dit que tu avais que tu avais il y a très longtemps. Déjà, tu m'écoutes là maintenant. Il a transformé les petits. C'est un enfant qu'il a connu dans la rue, qui vendait des fers, des bouillouillou. Aujourd'hui, il est MC One. D'accord. Il a du talent, c'est un rappeur, tu vois. Il a poussé les petits. Il est en avant, tu vois. D'accord. Tout le monde n'en disconvient pas. Mais, juste au fond, quand on parle du 18 avril, de ceux qui sont dignes du combat, tous ceux qui sont restés, parce que moi, j'ai eu trop de propositions, tu vois. Voilà. J'ai eu trop de propositions, mais je suis resté digne. Moi, je suis du 18 avril dans le cœur, tu vois. Mm-hmm. Voilà. Je suis du 18 avril dans le cœur parce que j'aime 18 avril. D'accord. Et je ne veux pas trahir 18 avril. Mais à cette allure-là, moi je pense que tu risques d'aller voir ailleurs parce que, voilà, tu es toi, moi, ce que tout le monde sait. Écoute. Peut-être que MC One ne peut pas chanter, toi tu chantes, mais toi tu peux rappeler, toi tu as des talents pour rapper. Le stade est arrivé là. Aujourd'hui, il y a les jeunes, les hommes de production, les jeunes qui ont un peu d'argent, qui veulent se jouer les producteurs, les jeunes qui viennent voir, ils veulent tes produits. Tu vois, il y a ça. Je suis pas dit, il n'y a pas ça. Il y a trop de propositions, mais il reste digne. Et puis il reste 18 avril parce que je sais ce que 18 avril vaut. Tu vois. D'accord. Et toujours le sujet 18 avril, hein, quand Kedjevara, hein, sachant que toi, Moasco, tu as eu au moins près de 5 à 6 hits des tubes ici en Côte d'Ivoire, ça, c'est même pas à discuter. Moasco a fait danser les Ivoiriens ici, encore dans ce pays. Et toi, moi, ce qu'on n'organise pas ton concert au Palais de la Culture, on organise le concert de quelqu'un qui est né avant-hier, qui a commencé, ça fait même pas deux jours, c'est son concert qu'on organise. Et moi, ce que même en son âme concert, je sais que tu savais que le concert allait taper poteau. Mais qu'est-ce que toi, tu as ressenti? Ben, il m'a demandé d'abord, il a dit, moi, ce que je vais organiser ton concert au Palais de la Culture. Je lui ai dit, non, pas question, pas maintenant. Pourquoi tu as peur? Tu n'avais pas que j'ai pas peur en toi, quoi. Moi, en fait, si je veux organiser un concert, il faut que
j'ai deux hits de moments. Quand je dis moment, pas que genre, à l'instant, deux à trois hits de moments. Et je peux inviter mes fans, tout et tout. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va organiser les concerts de MTV One parce qu'il a des tailles actuellement. Il dit, il n'y a pas de souci. Est-ce que toi, en âme et conscience, est-ce que tu sentais ce concert? En âme et conscience, je sentais ce concert parce que je sais que le petit, actuellement, il fait du buzz. Tu vois? Je sais qu'actuellement, il fait du buzz, il a le soutien qu'il faut. Donc, c'est une opportunité pour lui. Il ne faudrait pas faire des concerts parce qu'on dit, ouais, c'est moi, ce que. Ramzy va venir te poser des questions, mais tu vois. Non, mais Ramzy, pourquoi tu mets mon nom dans cette histoire? Moi, je te demande. Tiens, point dans le dernier point. Moi, je te demande. Je dis, mais Moisco. Bon, pourquoi ne pas dire à ton producteur, mais au lieu de faire ça à la 4000, il fallait faire moins la 5000. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'en 2018, je fais un concert là, au panel de la culture. Ah, tu annonces ça maintenant. Voilà. Avec 18 avant le premier. Mesdames et messieurs, Moisco nous a donné un scoop. Concert live au panel de la culture en 2018. Bientôt, il va nous donner la date. Si c'est pas arrivé là, moi je viens te demander. T'inquiète même pas. Voilà. Ça, c'est... Ok. Voilà, tu vois, donc, vous parlez toujours du conseil. Bon, je sais pas moi. Vous savez très bien que le gars, le mec qui vient d'arriver, vous organisez un conseil. Bon, normalement, là, tu as dit d'avoir une production, tu es censé donner le bon conseil aussi à Kedivara. Tu vois, ça, le petit, bon, on le sent plus du tout. Là, il est mort, tranquille, quoi. Tu vois, puisque son conseil n'a pas marché. Quand il dit il est mort, c'est quoi? Comme on dit, il a tapé poteau à son conseil. Donc, j'ai comme l'impression que, bon, de toute façon, j'irai le croiser pour lui demander. J'ai comme l'impression que l'engouement a baissé au fil de lui. Il n'a pas tapé, pour son âge, il a 16 ans, 17 ans. Il a testé les palais de la culture comme ça. Et il a fait combien de places? Et aujourd'hui, faut regarder les artistes qui attaquent le palais de la culture, ils n'ont même pas 17 ans ou 16 ans. Bon, on ne peut même pas dire que c'est un poteau. On peut dire que c'est une expérience pour avoir, pour acquis de l'expérience. Pourquoi vous voulez masquer? Quelqu'un, c'est vous qui l'avez encouragé à 18 avril. Vous avez encouragé, même si on a clashé ses grands frères, les Kif Nobis. On n'a pas. Donc, s'il clash ses grands frères, les Kif Nobis, ils se sentent capables. C'est moi qui te pose la question. Tu admets maintenant. Non, mais là, c'est moi qui pose les questions. Non, c'est pas toi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions. Tu admets parce que tu dis que MC One a attaqué ses grands frères. Oui, il a attaqué ses grands frères. En quoi disant? Il les a attaqués, tout le monde sait ça dans ce pays. Il les a attaqués là même. Il y a même des vidéos sur YouTube où il dit non, que vous êtes mes grands frères, mais moi, ils vous attaquent. Bon, bref. Mais si il a attaqué Kif Nobis, c'est qu'il se sent ça, il n'a pas fait d'enfant dedans. C'est qu'il est artiste. C'est qu'il est artiste comme toi. Puisque d'abord, tu devrais te laisser. Je ne suis pas sûr que dans le groupe de la Kif Nobit, c'est pas pour dénigrer. Parce que la Kif Nobit, Didi B, c'est mon ami. On se connaît, on cause souvent, c'est statien. Frère, c'est comment, tu vois? C'est la famille. Je n'ai pas dit que voilà, MC One, son combat, c'est mon combat. Son combat, il est personnel. Parce qu'il est artiste comme moi. D'accord. À 18 avril. Et il sait comment il gère sa carrière. D'accord. Tu vois? Mais si un conseil je peux donner, c'est que MC One, c'est du choquer pour plaire. Tu comprends? Quand on dit choquer pour plaire, c'est-à-dire c'est un jeune artiste qui commence, il vous provoque. Quand vous rentrez dans son jeu, il vous clash. C'est normal, c'est comme ça. C'est le game. Voilà, d'accord. C'est le game. D'accord, mais c'est le game. Parce que tu prends trop sa défense. Alors que c'est pas ce qui non. Te... C'est pas ce que tu dis en ville. Ne prends pas sa défense. Parce que il c'est a mon conseil. Petit. Mais c'est attends, que il a eu le conseil. Tu sais que dans le game là, oui. Quand tu arrives dans le game, ceux qui sont forts là, c'est eux. Il faut attaquer quoi. Pas que t'attaquer, mais il faut t'accrocher. Toujours dans le confort, on le confort à Kif Nobit et ils sont 5 dit le sud. Sans le confort à Kif Nobit. C'est que le petit travail, tu vois, c'est le travail qui parle, c'est pas fait des... On dit que tu dis tant, on dit que tu mais, dis tant. Mais moi, nous on a appris que tu étais très content. Moi, personnellement, j'ai appris que tu étais content du fait que MC One n'a même pas pu remplir, n'a même pas fait 300 places au palais de la culture. On a appris que tu te réjouissais de cela parce que on t'a laissé pour le mettre en exergue, ça te fait mal. Je comprends que le but de cette émission, c'est de me mettre en erreur. De dire des choses ou après. Non, pas du tout. Moi, je viens te poser des questions sur ce qui. Ou après, vous allez faire du buzz, dis-moi ce qu'on dit, tant, du MC One, de Kedivara, voilà, pour me diviser de 18 avril.
bon, je reste à 18 ans, tu vois. Donc, même si, MC One, je dis même s'il n'a pas raison, même si c'est bizarre, moi, que petit me respecte. Même s'il n'a pas raison, ça veut dire quoi? C'est-à-dire même si, c'est-à-dire que même s'il n'avait pas raison, je n'ai pas dit qu'il n'a pas raison, même s'il n'avait pas raison, même s'il y avait des difficultés, mon devoir, juste après, c'est de prendre ma responsabilité et répondre à certaines questions où le petit n'aura pu répondre, tu vois. Et dès que le jour tu auras l'occasion de faire une émission avec lui, tu auras l'occasion de lui, je vais lui poser des questions. Ça c'est voilà. Pas un souci. Donc, les questions majeures que John posait aujourd'hui, c'est du coupé décalé, pas du rap, parce que moi je suis pas rappeur. Tu as 18 avril, on est dans le volet voilà. 18 avril. Voilà. Parce qu'il y a un truc aussi, bon, si tu veux. Même si on avait le volet 18 avril, moi je suis pas rappeur. Dans le 18 avril, il y a les Zoubleman, oui, il y a des rappeurs, il y a des coupés décalés. Pourquoi est-ce que Moisco, voilà, toi tu fais tes clips ici à Abidjan, vous savez, dans des points chics et tout, mais MC One, on le met dans l'avion, il va faire ses clips ailleurs, les autres artistes vont faire clips parce ailleurs. Que, mais est-ce que c'est parce qu'il est mieux que toi ou bien je sais pas quoi? Pas parce qu'il est mieux que moi, mais parce que c'est le thème de sa chanson, ça rivalise avec voilà, l'international, avec tout et tout. D'accord. Moi, je peux, c'est rien, aller au Maroc, c'est rien, tu vois. Payer un billet d'avion, c'est combien? Tu vas me dire que c'est pas 400 000 ou 500 000 que Divara ne peut pas payer pour moi. Tu vas pas me dire ça. C'est rien pour moi. Et puis prendre Andy, le réalisateur de 18 avril. Actuellement, quand on parle d'Andy Chakou, on sait que c'est 18 avril. Même pas un rond. Je n'ai même pas à payer un rond, tu vois. Pour réaliser mon clip, mon producteur, j'ai tout, tu vois. J'ai même pas besoin de me faire des idées ou parce que MC One a fait au Maroc ou tant. Pour payer un billet d'avion, c'est combien? C'est rien. C'est... D'accord. Alors, DJ Moisco, parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit ou bien? Alors, Moisco, dis-moi, Moisco est trop tranchant dans ses sons. Moisco est trop inspiré dans ses sons. Ton inspiration là, tu la tires où? Où est-ce que tu prends l'inspiration? L'inspiration vient des ennemis. Ça vient de la concurrence et ça vient aussi voilà, en voiture quand je suis avec mes bons petits. On est là, on fredonne des chansons et en voiture on essaie de composer des sons. Ouais, voilà, nanani, nanana, c'est comme donc ça. C'est pas ce qu'on connaît là. C'est pas me dire, pas l'alcool, c'est pas la bouquette, c'est pas. L'alcool? Ouais, c'est pas l'alcool, c'est pas l'alcool. L'alcool peut rien faire pour quelqu'un, tu vois. L'alcool, petit, ça peut motiver quelqu'un à faire ceci, cela, petit, c'est comme la drogue, tu vois. Moi, je suis pas un drogué, je suis pas un alcoolique. Voilà. Sûrement, souvent, on s'enjaille, tu fais plaisir. S'enjaille en quoi? En quoi? Quand on s'enjaille, c'est se faire plaisir avec des potes. Voilà. Vous fumez un peu, quoi? Ou bien. Non, moi, je fume pas. Je n'ai pas besoin de fumer pour faire plaisir à qui que ce soit. L'important de cette émission, c'est de parler de la carrière de l'artiste. Oui, mais c'est ça, le nom de son inspiration. Oui, mais moi je veux savoir, tes fans qui regardent Moisco. Non, mais écoutez, mais Moisco, non. Ben, tes fans qui regardent. Tes fans aiment ce que tu fais. Donc ils veulent savoir quelle est ton inspiration. Les fans, quand moi je suis en voiture avec mes bons petits et mes fils, on fredonne des chansons. Petit à petit, un jour, deux jours, trois jours, un mois, quand on économise les docks, on est en voiture, on s'enjaille, on s'amuse, on rentre en studio avec ce qu'on a créé en voiture, en train de s'amuser, et puis on crée des chansons, ça donne ce que ça doit donner. D'accord. C'est ce qui me donne les femmes, tu vois. Donc moi, je ne crée pas ça, tu vois, mon vieux. D'accord. Ça vient comme ça, c'est naturel. Donc c'est fini. Ah, tu as fini de parler. Tu es sûr, la dépensive, tu ne comprends pas, Moisco. Hein? Je sens que tu es dehors dans moi d'une manière. Moisco, allons-y. Moi, j'ai une question aussi pour toi. Moi, je n'ai pas compris un truc. Hein. Toi, tu es avec Kedjibara. Tu es dans le label de Kedjibara. Et tu apprends que Arel Chené s'est fait virer de la Yorogang par DJ Arafat. Et on te voit sur internet une photo où tu allais saluer Arafat. C'était ton habitude d'aller saluer Arafat. Non, mais. Comme il a chassé Arel Chené, tu es content, alors tu allais le saluer. Non, pas que. Tu allais lui dire bonjour. Tu allais dire bonjour à Arafat. Je lui ai dit bonjour à Arafat. C'est un homme comme moi. Il y a longtemps, il voulait que je vienne dans son studio. Il dit moi, quand tu es prêt, viens, je vais faire un son pour toi. Quand t'es prêt, viens, je vais faire un son pour toi, c'est rien, tu vois. Et juste après, moi, mon problème avec Ariel Chené, c'est qu'il ne m'a pas respecté. Tu vois.
le jeune ne m'a pas respecté. Parce que quand je me suis prononcé en tant que président des artistes dans la nouvelle génération, personne n'a parlé. À la suite de cela, quand on lui a donné son... Arafat a lutté pour lui donner son trophée. Son premier trophée. Parce que moi, Arafat me voulait dans son écurie, tu vois. Mm-hmm. Arafat me voulait dans son écurie de Eurogang. J'ai pas accepté parce que je savais que je voulais. Donc ça veut dire quoi? C'est que ceux qui sont avec Arafat, ils savent pas ce qu'ils veulent, quoi. Ils n'ont pas dit ça. Ils savaient ce que moi je voulais. Moi, je suis du même tempérament qu'Arafat. Les moments où, quand ça dégaine, on peut plus se contrôler, tu vois. Arafat, c'est un DJ que j'adore beaucoup, je ne sais pas gâter son nom. Et on peut dire que c'est une idole pour moi parce que quand on écoute moi ce qu'on dit, il a la même voix, un peu Arafat, tout le monde parle, tu vois. Tout le monde donne son avis. Donc tout le monde donne son avis, tu vois. T'as envie sur quoi? Sur la façon de chanter, quoi. Voilà, on te dit, moi, ce que tu as le même style qu'Arafat. C'est le même style. Qu'est-ce qui a parlé? Moi, j'ai jamais entendu ça. Moi, c'est le même style. Les gens parlent. Tu ne peux pas être avec Kedjara. Parce que je la vois rock. Tu sais que je la vois rock. Quand tu sais. Mon lingam, moi, t'en connais. Bon, ma mère, baba, moi, comme. À la fin, tu sais que je la vois rock. Et ça, tu le sais. Oui, ça, je sais, mais voilà. Moi, je n'ai pas vu comme Arafat. Toi, voilà. Tu veux te mettre au niveau d'Arafat, c'est pourquoi tu dis ça? Je ne me mets pas au niveau d'Arafat parce que. C'est un grand frère, tu vois. Je ne peux pas me mettre au niveau d'Arafat parce que c'est une icône. Je peux me mettre au niveau de Kedjara ou de Serge Benoît parce que ce sont des personnalités, mmh. Tu vois. Mmh. Je ne peux pas le faire. Mais quand il y a l'occasion de parler d'une carrière ou de parler de quelque chose, il faut qu'on le fasse, tu vois. D'accord. C'est de ça que je parle. D'accord. Donc tu disais que voilà, Arafat, tu as refusé d'aller dans son label. Je n'ai pas refusé dans son label. Comment est-ce que tu as dit ça? Des conditions que moi, mon cœur ne peut pas accepter. Ah, d'accord. Et quel genre de conditions il t'a proposé? Voilà. Des conditions. Hein? Des conditions. Après, on dit, moi, ce que tu es comme si tu es un traître. Tu es comme ça. Tu vois? Je ne suis pas contre Chené, je ne suis pas contre quelqu'un. Rien contre lui, tu vois. Mm-hmm. C'est tranquille. Je fais ma carrière. Ils ont leur carrière. Tranquille. Mais quel genre de proposition? Parce que tu as dit que les conditions, les propositions qu'on t'a faites dans certaines conditions, tu n'as pas apprécié. C'est-à-dire que toi, ça ne t'arrangeait pas. C'est pourquoi tu as refusé d'aller à la Eurogang. Maintenant, il faut expliquer. C'est ça que nous, on veut savoir. Bah, Eurogang, tu disais, moi, j'ai un mauvais tempérament. Tu vois, comme si le tempérament de Euro, souvent, ça pète, tu vois. Voilà. Donc moi, je préfère marcher avec quelqu'un qui est posé, calme, qui réfléchit, qui me dit on fait ceci donc, ou on ne fait pas cela. Je t'ai pas dit ça, il ne faut pas me poser une erreur. Tu vois, je t'ai dit que moi, personnellement, je marche avec des gens. Mais bon, ok, oui, mais Ariel Chenny s'est fait virer de la Eurogang. Automatiquement, tu vas pas faire virer. C'est pas fait virer. Quand tu dis Ariel Chenny s'est fait virer de la Eurogang, c'est comme si tu disais que voilà, nanani. Mais Arafat a fait une vidéo où il dit Ariel Chenny n'est plus à la Eurogang. Parce qu'il n'a pas signé un contrat. Et moi, je ne suis pas sur le contrat de la Eurogang. Moi, je suis de 18 avril. D'accord. Et quand je dois parler de 18 avril. Mais Ariel Chenny, un temps, sa maison a brûlé. Hein. Ta maison a brûlé pendant que tu étais en classe avec lui, sa maison a brûlé. C'est le seul. Hein? Il paraît que c'est toi qui es derrière. Pas le seul artiste, mais c'est la seule personne que sa maison a brûlé dans ce pays. Non. Voilà. Non. Donc, ça peut arriver à ménager mécanique. Mais toi, tu en parles avec quelqu'un, sa maison brûle. Hein? On a apporté notre soutien sur Facebook, soutien frère. Mais c'est trop facile, soutien, là que c'est pas le pyromane. J'allais assister un écran plasma, un lit, un drap, un matelas pour lui, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux, Non, mais pas que c'est ce que je veux, Moi, je peux apporter mon soutien moralement pour dire frère, on est ensemble, c'est la famille, j'ai pas de problème avec toi, c'est la famille. Pourquoi tranquille. D'accord. Alors, moi, ce que. Bon, là maintenant, ta carrière est à quel point, là maintenant?
Quand tu dis qu'on va voir ta carrière depuis, voilà, on va parler. Je suis avec 18 avril, vous verrez la suite des choses. Moi, personnellement, je fais ma musique, je chante, je m'inspire de ce qui doit m'inspirer et de tout ce que je vois, tu vois. D'accord. Quand je peux chanter pour la société, je chante pour la société. Mm-hmm. Quand je peux chanter pour des personnalités, je chante pour des personnalités. Maintenant, s'il y a des choses à régler, c'est interne, c'est valide, c'est dans le 18 avril. Je suis venu débarrer devant tout le monde pour dire moi ce que fait ceci, moi ce que fait cela. Petit à capella là, elle la voix, vous comprenez là. Eh, petit truc là. Ah, bon, les gars, mon temps, mon nez, et on m'a d'air, papa, comment le. Bon, les gars, mon temps, mon nez, et ah, papa, comment le. Ah, trop libre, et bien, ça c'est les vieux dogs d'avant. Maintenant, j'ai fait, tu sais quoi? Vas-y. Comment tu vas faire tourbillon? Tourbillon. Comment on va faire tourbillon? Tourbillon. J'ai dit, dans ce manga-là. Alors, mesdames et messieurs, on est avec Moasco. C'était avec Moasco, Fafa, DJ Ramzy, les dingueries. Bien, père Ramzy, tu sais que tu as voulu me piéger d'une manière, mais toi, tu t'es piégé, non? Ah bon? Ouais. Pendant parler de ça, on antenne ou quoi? On antenne, non? Mesdames et messieurs, merci encore de nous avoir suivis. J'étais avec le trois fois bombardier. Il y a bombardier, hein. Mais lui dit les bombardiers, il n'est pas bombardier. On ne sait pas où il enlevait son mot, mais ce que je suis, c'est ça. Didier Moasco nous a reçu. L'entretien était pimpant, comme on dit de notre genre, comme on dit de notre jargon, autant pour moi. Merci de nous avoir suivis. Voilà, à la prochaine, même heure, même antenne. C'était à la réalisation Roland Le Benguiste. Cadreur, j'ai nommé Willy William Santiago, sans oublier Soko toujours. On est ensemble, que Dieu vous bénisse. C'était Fafa, Ramzy le Daire vous salue. Ciao. Ramzy le Daire.